Et salut tout le monde, c'est Dan, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 17 de Kingdom Hearts 1 1.5 HD Remix. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés dans la forteresse oubliée, on avait récupéré notre Keyblade, vaincu Riku pour la première fois, parce que oui, il y aura des autres fois. Et on va continuer notre histoire qui est bientôt terminée malheureusement. Je suis un peu surpris de la vitesse à laquelle on a fait le jeu. Ah non mais reviens. Pourquoi tu vas pas me le donner? Ah si quand même, super. Ouais donc assez surpris de la vitesse du jeu. Je pensais que ça allait aller moins vite. Voilà. Si ça va être une opération compliquée, c'est bon. On a réussi. Donc effectivement, j'ai peut-être bloc ultima, donc ça va être intéressant pour le vaisseau. On va le refaire tourner encore une fois. Et encore une fois. Mais tu rigoles ou quoi? Merci. Alors, bonus PC. Alors, par contre, le bouquin, je ne sais... Ah, il fallait le mettre là. Là, il y a un trio, je l'avais pas vu. Voilà. Alors, il y a des bouquins à remettre en place un peu partout. Alors, voyons voir où est-ce qu'ils sont. C'est pas là. C'est pas là. Là. Voilà. Là, on a tous les bouquins. Ah, voilà, ici. Ok. Ah oui. Il y a un bouquin bleu, là. Il n'y a rien à faire là, lui. Alors, le bouquin bleu, il va où? Là, c'est rouge. Là, c'est bleu. Ah, c'est tout un tintouin, hein. Ok, et maintenant il me faut un vert. Là c'est les bleus. Ah. Un bouquin qui commence par un N. On va essayer de voir si c'est ceux qui sont là-bas. Je pense pas. Non. Ils sont où les bouquins qui commençaient par un N? Là-haut? Ah, c'est peut-être le bouquin que j'ai enlevé de là-haut. Allons voir. Il y en a deux. Il y a là. Voilà. Voilà. Là, on va prendre le vert. On va redescendre. On va le mettre là. Mais non! Remets-le en place celui-là, rigolo. C'est pas lui qu'il fallait prendre, c'est celui d'à côté. Voilà. Merci. Il y a encore un bouquin à prendre. Exact. Voilà. On va remonter celui-là là-haut. Ah, c'est plus par là qu'il faut passer. Alors... Ah, c'est tout? La tour des passerelles. Oh, je crois que c'est juste pour avoir le coffre en fait. Ah non! On se déplace!
Alors, où est-ce qu'on va aller comme ça? Ok, on va à gauche. Et il m'emmène jusqu'où comme ça? Ok, on peut pas passer. Ok. On arrive au milieu. Mais on peut rien faire. Ok, super. On arrive au milieu d'un truc où on peut rien faire. Je crois que j'ai un peu trop anticipé le jeu. Bon, bah écoutez, demi-tour. Non, mais repasse-moi. Non, t'es pas sérieux. Ah, je peux pas le passer, hein. Je peux rien faire. Bon. Bah, on va se retaper tout ça. Donc il y a des choses à débloquer avant que je puisse aller par là. Ah non, il n'y a rien d'autre ici. Donc... il n'y a pas tous les livres. Pourquoi il n'y a pas tous les livres? Il est où le dernier? Bon. Pas bizarre. La porte est verrouillée. Ok, super. On va aller juste là en fait. Fallait être con. Voilà le bouton pour déverrouiller la porte. Petite musique rigolote. Alors, ah oui c'est vrai, il fallait que je récupère 4 stèles. Un éclair est gravé sur la stèle. Voilà. Ok. Et après on fait quoi? Nous on vient de là-bas quoi. Peut-être d'autres portes? Non, il n'y a pas d'autres portes. C'est quoi cette statue? Ah c'est un trio, ok. Ah bah voilà hein. Un bout de... alors on va aller voir d'abord là-bas. Déplace-moi si tu en as la force. Ok, un coffre. Donc là j'ai claqué un éclair. Qu'est-ce qu'il veut me dire lui? Montre-moi ta force destructrice. Ok. Ok, de l'eau, un deuxième morceau. Bon là, on sait sans doute ce qu'il faut faire. Voilà. Et celle-là aussi. Voilà. Non, ça se passe rien. On va récupérer notre magie. Hein. Bon, on récupère pas grand chose. Hein. Mais c'est pas grave, on va allumer toutes les torches. On va plutôt faire magie et. Ah, on peut pas faire juste brasier normal quoi. On est obligé de faire brasier plus. Dommage ça. Lui, on l'a déplacé.
2. Et voilà. On va récupérer ce bookie là-bas. Manque plus que le coffre, savoir où est-ce que le coffre est. Alors, où est le coffre? Il n'est pas là. Ah, il est là. Ok, donc j'ai récupéré mes 4 emblèmes. On va aller récupérer un petit peu de notre magie parce que là on n'a plus du tout de magie. Redonne-moi de la magie, toi. Ah, tu veux plus? Ah, salaud. Bon, bah tant pis. On va peut-être faire objet. Non, on a rien. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Objet. On va ranger les potions en plus. Et on va prendre dans la malle des méga potions. Ça sera plus simple. On va prendre une méga élixir. Et ici, on va prendre méga éther. Et encore une méga potion. On sait jamais, on a Kate dans le bras. On est parti. Why? It was mine. Know this. The heart that is strong and true shall win the Keyblade. What? You're saying my heart's weaker than his? For that instant it was. However, you can become stronger. You showed no fear in stepping through the door to darkness. It held no terror for you. Plunge deeper into the darkness, and your heart will grow even stronger. What should I do? It's really quite simple. Open yourself to the darkness. That is all. Let your heart, your being, become darkness itself. Mais qui peut être cette étrange personne? Ah d'accord, on est revenu là. Super. Vu comment ça marche ces bestioles là. Ah ouais. Allez, on va les avoir. Ça fait quoi là-dessus? Ah non, rien, c'est ça que j'aurais dû faire. Hop là! Je perds toute la vie. Oh.
Hop là. Petite esquive, tranquille. Et voilà. Allez. Voilà. Mais aïe! Mais laisse-moi en placer une quand même! C'est pas sérieux. Mais non! Ouais, c'est ça que je voulais faire. Aïe. Allez. Voilà. Et d'un coup, il est monté de niveau. Encore. Voilà. Bon, on a fait le tour, c'est bon. Il n'y a plus personne à tuer. Et bon, on peut y aller alors. Tour des passerelles. Ah bah, on revient là où on était tout à l'heure. Allez. Ça fait quoi ça? Passerelle montante. Passerelle descendante. Ah d'accord. Bon, on va voir ce que ça donne la passerelle descendante. D'accord, on arrive là. Mais non! Faut vraiment que je change ça, moi. Voilà. Mais... Ouais, ok, je voulais pas descendre. Voilà. Bloc Ultima. Et bloc Foudre X. Ok. Non, non. Oh là là, la chance. Il y avait un trio ici. Avion, méga potion et méga éther. Très intéressant. Allez, on remonte. Ce coup-ci, je vais me les faire. Voilà. Et voilà, ça me refait descendre. Ça va être une catastrophe ce truc.
Bon allez, on se barre de là. Je vais pas passer une heure là-dessus. Ça pourquoi ? Y'a un truc à faire avec ça ou quoi ? Non, y'a rien à faire avec ça. Donc, passerelle descendante, ça a servi à rien. Ça m'aura juste donné des objets. Donc, on va faire la passerelle montante. Et puis là, il y avait un truc en plus. Le balcon. On ira après au balcon. Ok, il y a quoi à faire ici? Ça, ça commence à me gaver par contre, les coffres qui sont en hauteur comme ça. Je peux pas les choper? Paraît bizarre que je puisse pas les choper. Bon. Bon, on va passer au balcon. Ouais, bah ça... Ah ouais, puis tant que je l'ai pas fait, je suis baisé. Ouais, bah vas-y, tombe. Et je suis retombé où? Ouais, je suis retombé ici, c'est génial. Il va falloir faire tout le chemin. Aïe. Raté. Alors ça, ça va être chiant parce que les combats là... Super. Ouais, de mieux en mieux. Non, je veux pas tomber. Voilà. Merci. Donc ça, ça fait quoi? Ça débloque ça. On va passer ici, du coup. Go. Quand même un sacré merdier. Donc là, on va se taper des combats. Je suis plus sûr. Bah, je vais bien. Faut bien faire passer le temps. Voilà. Stalpure. Pur.
Allez, 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 allez. On y est presque. Bloc foudre X. Toujours pour le vaisseau. On revient à la tour des passerelles. Ok. Les remparts de l'ombre, par là. Il y a un coffre. Auricalque. Ah, ça c'est très intéressant pour la création d'objets. Même si on est pratiquement à la fin du jeu. L'auricalque est une matière précieuse pour les meilleures armes et armures du jeu. Alors toi, Olzozio, tu vas déjà dégager direct. Ah, je l'ai pas vu apparaître, lui. Allez, on va la voir. Quatre points de bonus. Ah ouais, quand même. Ça rigole pas. Ah, Donald, il était KO. Ok. Ah, au moins. Un qui est descendu. On va appeler un nouveau truc. Alors, maintenant, par où on va... Ah non, bah en fait, on venait de l'ON. Non? Tour des passerelles, bah ouais, on vient de là. Alors, il faut aller où maintenant? Ah ah! Bah en fait, par la porte par laquelle on n'est pas passé. Voilà. Ici. Tuer les petits parce que c'est les plus chiants. Ah, les petits. Tout est relatif, hein. Ils ont... sont gros, mais ils ont une petite barre de vie. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Non, hein. Allez, la dernière. J'ai pas eu. Reviens. Voilà. C'est bizarre tous ces coffres qui sont en l'air que j'arrive pas à voir. Je me souviens plus comment on fait. Alors, par les mêmes, on recommence. Ah ouais, ils sont tous les deux KO. Ah mais je suis là, allô. Ah quand même. Hop, et voilà. Encore.
Arrête de lancer des éclairs, toi. Allez. C'est chiant, les petits sans cœur, là, à chaque fois, ils retournent sous terre, c'est chiant. Allez, la dernière qui est là. Voilà. Ok, donc là, on va pouvoir baisser le deuxième volet. Ça marche. Alors, j'allais dire l'étape suivante, mais en fait, l'étape suivante, c'est juste de monter là, en fait. Oh non, 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 pas des osios. Ah, dommage. Je suis retombé. Mais là, t'es bloqué, là. C'est con, hein. Bien joué, là, go. Bon, est-ce que je peux tricher légèrement ou pas? Non, je peux pas tricher. Ah, c'est chiant. Tour des passerelles, mais là-bas il y a quoi? Ah d'accord, c'est pour remonter. Sûrement un coffre. Ouais. Et des monstres. Comme par hasard. Non! Non, je suis tombé. Mais ouais, mais non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Ah oui, d'accord. Ok. Non. Voilà, redescend. Merci. Il en reste encore. Voilà. Je peux prendre mon coffre maintenant. Merci, monsieur. Là, je sais plus ce qu'il y a là. Ok. On va dire que c'était ce qu'il y avait à faire. Tour des passerelles. Aïe aïe aïe. Le gros lard. Allez. Ok, en moins. Ils sont tous les deux KO? Ouais. Allez, c'est bon, vous pouvez revenir à la vie, ils sont tous partis. Donc ils veulent pas. Tant pis. I see the path has emerged at last. Yes. The keyhole to the darkness. Unlock it. And the Heartless will overrun this world. What do I care?
The darkness holds no power over me. Rather, I will use its power to rule all worlds. Such confidence. Oh. Ah, impossible. The princesses of heart are all here. It must be her. Without her heart, she will never be able to release her power. The king's fools are here. I'll deal with them myself. You stay here and guard the princesses. Donc apparemment, quelqu'un aurait possédé le corps de Riku, vu ce qu'on entend au niveau de sa voix. I'm afraid you're too late. Any moment now, the final keyhole will be unsealed. This world will be plunged into darkness. It is unstoppable. We'll stop it! After coming this far, there's no way we're gonna let that happen. You poor, simple fools. You think you can defeat me? Me, the mistress of all evil! Alors, je sais plus comment ça marche avec Maléfique. Ah oui, on peut détruire la plateforme. D'accord, c'était ça. Je me souviens plus qu'à l'appeler des sous-fifres. Aïe aïe. Aïe aïe. Non mais il faut arrêter les conneries.
Allez, on va bientôt l'avoir. Je suis concentré à fond là, mais rien de compliqué en fait. Il faut juste tuer les sbires quand on peut. Alors attention à ces petits sorts là. Voilà, allez. Eux vont être chiants jusqu'au bout. Hop là. Voilà. Aïe aïe. Merci. On va shooter la plateforme tant qu'on n'est pas. Tant qu'on est à l'abri des petites grosses boules. Commence à devenir chaud là, tous ces éclairs. Allez. Allez, on l'a presque tué. Là, on se barre. Aux éclairs. Voilà. On va se soigner. Bah ouais, mais shot au-dessus de toi, arrête de conneries, arrête tes conneries quand même. Voilà. Commence à taper la plateforme et maintenant on la défonce. Allez. Bon ça va, on arrive à taper assez souvent pour récupérer de la magie et se soigner. Aïe aïe. Allez, c'est long à taper. Ah putain, ils sont réapparus eux. Bon non, là c'est plus possible. Hein. Ah
Voilà. Mais genre, je peux pas la toucher tant qu'ils sont pas morts. Oh là là, catastrophe. Et bah, je pensais pas que ce serait aussi long. C'était fini. Ah, j'ai mal compté. Bah encore. Mais t'es pas sérieuse, maléfique, là. Vous êtes pas sérieux. Putain, mais lâchez-moi. C'est une catastrophe. C'est tellement long que je gagne des niveaux. On va me faire apparaître ces deux gros lourdeaux là. Ah oui, non, mais voilà, mais elle me fait réapparaître ces deux gros lourdingues. Me casse les couilles. Putain, je peux pas la taper tranquille, quoi. Allez. Eh ben les gens. Tant pis, je vais prendre des risques, hein. Bah, il était temps, je croyais jamais réussir à la tuer. Waouh, c'était super long. Donald a appris la transe. Et j'ai gagné le rapport d'enseigne numéro 5. On va se lire assez vite, on va se le lire, on va sauvegarder et on aura terminé pour cet épisode. Donc, carnet, rapport d'Ansem numéro 5.
J'ai isolé un spécimen de son cœur afin de l'observer et d'étudier son comportement. Il a agité ses antennes quelques instants, puis, semblant avoir détecté quelque chose, il s'est dirigé vers les profondeurs du château où il s'est de nouveau mis à scruter l'air de ses antennes. Soudain, une étrange porte a surgi de nulle part. Je n'aurais jamais soupçonné l'existence d'une telle porte dans mon château. Elle était dotée d'une énorme serrure, mais elle n'avait pas l'air d'être verrouillée. J'ai donc décidé de l'ouvrir. Ce que j'ai vu derrière cette porte dépasse de loin toutes mes connaissances. Que peut bien être cette chose dont émane une énergie incommensurable? De nombreuses étoiles filantes ont traversé le ciel cette nuit. Cela pourrait-il avoir un rapport avec le fait que j'ai ouvert cette porte? Donc on se doute qu'on est peut-être dans le château d'Ansem. Ça c'est une chose probable et possible. Mais on en saura plus sur la suite de cet épisode de Kingdom Hearts 1.5 HD Remix. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire. Et surtout, à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Sur ce, moi je te dis, porte-toi bien, des bisous, ciao tout le monde.